portrait. Portrait. Le 7 février 2017, Martine Moïse est entrée dans l'histoire aux côtés de son époux Jovenel Moïse, sacré 58e chef d'État de la République d'Haïti. Qui est cette femme étonnante, incarnant la beauté haïtienne qui éveille la curiosité de tous? Née le 5 juin 1974 à Port-au-Prince, Marie-Étienne Martine Joseph est la cadette d'une famille de deux enfants. Elle a grandi à Port-de-Paix, a fait ses études primaires et secondaires au collège Roger Anglade. En 1994, elle a entamé ses études supérieures en interprétariat à l'université Quisqueya. Simple, humble, sensible, très jeune, Martine s'était faite une réputation dans le milieu social et éducatif, dans sa ville natale, d'où elle s'impliquait à fond dans divers projets en vue de rehausser la ville de Capoil-la-Mort. Mariée en 1996 avec Jovenel Moïse, mère de deux enfants, avec sa grâce, son humilité et son courage, cette vaillante femme a accompagné son mari durant 22 mois de campagne, pour ensuite l'emmener avec la tête haute vers la présidence d'Haïti. Marie-Étienne Martine Joseph Moïse est un symbole de fierté pour la femme haïtienne et surtout pour les mères de famille. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Elle, elle est à côté de son mari, l'accompagnant dans toutes ses prises de décisions et ses activités. Elle est de celles qui n'ont pas peur des critiques, mais qui s'en servent pour corriger, améliorer et avancer. Elle n'a pas peur de prendre des risques, mais fonce vers la réussite dès qu'il s'agit d'une décision ou d'une mesure en faveur de la nation haïtienne. Intéressée au bien-être de sa famille, la première dame se soucie aussi du confort de tous les enfants haïtiens et s'engage dans une lutte pour leur éducation, leur développement et leur enregistrement à leur naissance. Elle veut que tous les enfants haïtiens soient dotés de pièces permettant de les identifier. En ce sens, des centres sont déjà établis dans plusieurs centres hospitaliers du pays, de concert avec l'Office national d'identification, ONI, et les archives nationales, dans l'objectif de matérialiser cette initiative. Elle n'a pas marchandé ses efforts pour que les mères de famille, ainsi que les enfants, jouissent d'une bonne santé. C'est dans cet esprit que le programme de santé maternelle et reproductive est renforcé. Fidèle à sa mission d'encadrer son mari dans cette lourde responsabilité à la recherche d'un lendemain meilleur pour Haïti, la première dame chérit plusieurs rêves et des projets assez ambitieux pour cette nation. À l'occasion de la fête des mères, la Radio-Télévision nationale d'Haïti associe sa voix à celle de toute la nation haïtienne pour souhaiter à la Première Dame de la République, Madame Martine Moïse, et à toutes les mères d'Haïti, une joyeuse fête des mères et un bon dimanche.
Nous continuons ensemble avec Première Dame République, là, Martine Moïse, accompagnée ministre des Affaires sociales et du Travail, là, Stéphanie Auguste, et puis sénateur département Centre, Wilfried Gelin, qui participait à une activité sociale et culturelle qui réalisait en faveur plusieurs centaines de femmes qui vivent dans au plateau central dans l'occasion Fête Maman. On suit un reportage Sainte-Croix-Paki à Wilson Idoré. Maman c'est pour tout mitan société a, c'est à slogan ça, fête maman yo célébré pendant week-end passé yo, dans première section communale maman, commune Inch. Dans l'occasion ça, première dame république Martine Moïse, félicité maman yo dans le plateau central là, pour courage et sacrifice yo fait, dans des milliers avec la vie pour faire éducation petite yo. C'est avec un pile émotion, et avec un pile la contentement, moi là jodi à dans plateau central, pour m'vin célébrer à toute maman dans le département, et Dieu, j'aimerais mieux. L'amour allait tout joindre maman qui dans l'autre département yo. M'a dit OK, maman riche c'est maman, maman pauvre c'est maman. Même si comme parle avec yo, mais toute kem en joie pour fêter ensemble avec yo. Maman qui dans diaspora, m'pa oublier nous tout. Songe que maman c'est un pompier banane. Même si fait li longe, c'est dans pied la vin mouri. Alors ce maman sa yo ki na diaspora vini parce que Haïti maman nou aptan nou. Formé dans département Santlan, participant subi violence sous toute qualité d'après responsable fédération réseau association femme plateau central yo Mitania Batelmi, yon lot bo te profiter présenter ensemble revendication mesdames yo bay première dame lan. Les nous garder quantité violence k'ap fait sous maman ak jeune ti fi. Yo sa terrible en pile. Femme yo victime sous toute forme. Physique, économique, sexuelle. Si tout pour violence sexuelle là, c'est ça qui a fait ravage dans plateau. Nous mandé pour plus plaidoyer fait à travers média yo, l'école yo, l'église yo, nan péresil yo pour nous voir comment nous t'arriver. Diminuer quantité violence qu'a fait sous femme actifi. Délégué départemental Santlan Marie-Denise Bernardo dans ce constance là, remercie administration Moïse à gouvernement Lafontaine pour construction diverses tronçons route qu'a fait dans plateau central grâce à caravane changement. Nous gagnons une route caravane qui déjà qu'a traversé route Inch-Tomasi, nous gagnons et caravane qui sous Inch-Maïsad bon pour Belader même. C'est tête chargée, c'est gros bagay qu'a fait dans Belader. Et Nabdou, tout ça qu'a fait là à travers département, nous gagnons 54 restaurants communautaires qui là semaine qu'a venir nous pral permettre population en eux-mêmes de jouer une activité, mais tout ça c'est grâce avec eux-mêmes. Plusieurs centaines de femmes qui étaient sorties dans diverses communes dans département Santlan, ont participé dans activité socioculturelle ça dans occasion fête maman yo. Pendant que pas de cacher contentement yo pour présence première dame là dans activité ça. Portrait. Le 7 février 2017, Martine Moïse est entrée dans l'histoire aux côtés de son époux Jovenel Moïse, sacré 58e chef d'État de la République d'Haïti. Qui est cette femme étonnante, incarnant la beauté haïtienne qui éveille la curiosité de tous? Née le 5 juin 1974 à Port-au-Prince, Marie-Étienne Martine Joseph est la cadette d'une famille de deux enfants. Elle a grandi à Port-de-Paix, a fait ses études primaires et secondaires au collège Roger Anglade. En 1994, elle a entamé ses études supérieures en interprétariat à l'université Quisqueya. Simple, humble, sensible, très jeune, Martine s'était faite une réputation
dans le milieu social et éducatif dans sa ville natale, d'où elle s'impliquait à fond dans divers projets en vue de rehausser la ville de Capois-la-Mort. Mariée en 1996 avec Jovenel Moïse, mère de deux enfants, avec sa grâce, son humilité et son courage, cette vaillante femme a accompagné son mari durant 22 mois de campagne pour ensuite l'emmener avec la tête haute vers la présidence d'Haïti. Marie-Étienne Martine Joseph Moïse est un symbole de fierté pour la femme haïtienne et surtout pour les mères de famille. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Elle est à côté de son mari, l'accompagnant dans toutes ses prises de décisions et ses activités. Elle est de celles qui n'ont pas peur des critiques, mais qui s'en servent pour corriger, améliorer et avancer. Elle n'a pas peur de prendre des risques, mais fonce vers la réussite dès qu'il s'agit d'une décision ou d'une mesure en faveur de la nation haïtienne. Intéressée au bien-être de sa famille, la première dame se soucie aussi du confort de tous les enfants haïtiens et s'engage dans une lutte pour leur éducation, leur développement et leur enregistrement à leur naissance. Elle veut que tous les enfants haïtiens soient dotés de pièces permettant de les identifier. En ce sens, des centres sont déjà établis dans plusieurs centres hospitaliers du pays, de concert avec l'Office national d'identification, ONI, et les archives nationales, dans l'objectif de matérialiser cette initiative. Elle n'a pas marchandé ses efforts pour que les mères de famille ainsi que les enfants jouissent d'une bonne santé. C'est dans cet esprit que le programme de santé maternelle et reproductive est renforcé. Fidèle à sa mission d'encadrer son mari dans cette lourde responsabilité à la recherche d'un lendemain meilleur pour Haïti, la première dame chérit plusieurs rêves et des projets assez ambitieux pour cette nation. À l'occasion de la fête des mères, la Radio-Télévision Nationale d'Haïti associe sa voix à celle de toute la nation haïtienne pour souhaiter à la Première Dame de la République, Madame Martine Moïse, et à toutes les mères d'Haïti une joyeuse fête des mères et un bon dimanche.